Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la recette que je vais partager avec vous, c'est comment faire de la tomate pâte ou tomate concentrée. J'avais partagé la recette. Cette fois-ci, ça sera sans de la betterave, de la couleur naturelle, sans mélange. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, likez et partagez. Allons-y pour la préparation. Pour les ingrédients, vous aviez besoin de la tomate. Et voici la tomate bien fraîche. La recette est très simple et facile à réaliser. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer, je vais bien laver la tomate. Il faut bien laver à plusieurs reprises. Bien rincer. Maintenant, dans la casserole, je vais découper la tomate en quatre. Il faut mettre la tomate dans la casserole, ensuite rajouter juste un peu d'eau et porter à l'ébullition 10 minutes. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, je vais éteindre le feu et écraser. Je vais retirer la tomate et écraser dans le mixeur. Il faut mettre la tomate dans le mixeur et écraser. Maintenant, je vais utiliser ce petit sac pour tamiser, pour retirer l'eau. Il faut attacher et presser. Il faut enlever l'eau. Et voilà ce que j'ai obtenu. Si vous voulez que ça soit beaucoup, il faut augmenter le volume de la tomate. Voici ce que moi j'ai obtenu. C'est petit, mais c'est pas grave. Si vous voulez beaucoup, il faut beaucoup de tomates. Maintenant, on va passer à la cuisson. Dans la casserole, il faut mettre la tomate pâte. Maintenant, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Je vais frire ça quelques minutes à feu moyen. Maintenant, je vais saler. C'est au choix, vous pouvez ne pas rajouter du sel. Il faut laisser à feu moyen 10 à 15 minutes pour que l'eau finisse. Si vous voulez conserver longtemps, il faut bien laisser à feu moyen pour qu'il n'y ait pas d'eau dans la tomate. Et voilà, maintenant je vais éteindre le feu et voilà, ma tomate pâte est prête. Merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!